sur le continent africain, l'Afrique de l'Ouest, touchée, le Mozambique aussi, plus vers l'Est, touché par les mines antipersonnelles et les bombardements de munitions. L'Afrique du Nord, avec notamment en se décalant vers le Moyen-Orient, Libye, Syrie, Liban. Tous ces pays-là ont fait les frais en fait, des récents conflits qui ont entaché la région récemment, l'année dernière pour la Libye, cette année pour la Syrie. Et puis toujours en décalant vers l'Est du globe, l'Irak, l'Afghanistan, qui ont fait eux aussi des frais de l'usage de ces mines antipersonnelles et de ces bombes à sous-munitions. Et puis enfin, le berceau, entre guillemets, de l'handicap international, mais aussi l'endroit du monde près et le plus pollué par les mines antipersonnelles et les sous-munitions, l'Asie du Sud-Est, Laos, Vietnam, Cambodge. Tous ces pays qui ont subi dans les années 70, pendant la guerre du Vietnam, les dégâts collatéraux accusés du conflit qui opposait les différentes parties et qui se retrouvent aujourd'hui encore pollués par ces armes. 30 ans, plus de 30 ans après, les gens explosent tous les jours sur ces armes qu'ils découvrent dans leur quotidien. Être pollué par des mines antipersonnelles et des sous-munitions, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'on ne peut pas construire de route pour accéder aux endroits les plus reculés. On ne peut pas construire de pylônes électriques pour amener l'électricité. On ne peut pas cultiver les parties polluées. On ne peut pas faire d'élevage sur les parties polluées. Donc c'est un vrai frein, un gros frein au développement de ces pays-là, en plus de causer des centaines de victimes encore par année, et en plus de causer des drames pour ces victimes et pour toute leur famille. Imaginez-vous bien que dans les pays concernés, souvent le niveau de vie est très bas. Et du coup, les personnes qui sont victimes sont les personnes aussi qui sont les ressources de la famille, c'est-à-dire les enfants souvent qui vont chercher le bois, l'eau, mais même les adultes. Et du coup, quand une personne devient handicapée de cette manière-là, ça va handicaper toute la famille et plus largement toute la communauté. Et c'est tout le travail de Handicap International d'essayer de réparer ces vies. C'est ce qui est marqué sur mon t-shirt, mais c'est la réalité aussi sur le terrain. Juste avant de passer à la démonstration avec Philippe, juste vous rappeler, notre rôle à nous en Handicap International va s'articuler autour de 5 piliers, 5 champs d'action importants. Le plaidoyer politique, c'est ce que vous faites aujourd'hui avec nous aussi, c'est-à-dire vous êtes à nos côtés, vous complétez la pyramide de chaussures, vous participez à nos animations, vous signez la pétition, et du coup, tout votre engagement nous permet, nous, après, d'aller voir les gouvernements, que ce soit le gouvernement canadien, mais les gouvernements de la planète entière, en disant, voilà, on a un message à vous porter, on n'est pas les seuls handicapés à le dire, on est handicapés et 10, 20, 30 000, 40 000 personnes à travers la planète. Donc ça, c'est très important, on s'est compté depuis de nombreuses années. L'assistance aux victimes, je vous en ai parlé, bien évidemment, quand une victime a dû se poser sur ses armes, il faut après la réappareiller, donc la prothèse, et puis surtout, lui permettre de reprendre sa vie, donc retourner à l'école pour un enfant, ou retourner à travail pour un adulte. Pourquoi on insiste beaucoup sur les enfants? Vous le voyez ici sur ma gauche, ces armes-là sont de petite taille et souvent, certaines en tous les cas ont des couleurs qui vont être très attirantes pour un enfant qui ignore ce que c'est. Et donc lorsque le conflit est terminé, l'enfant rentre dans la zone et un de ses premiers réflexes va être de toucher ces éléments. Frédéric est en train de montrer aussi le type de sous-munitions jaune qui attire l'œil. Et donc maintenant, 40% des victimes sont des enfants. Donc c'est aussi un combat et un point particulier sur lequel on porte notre attention. Une de nos actions, c'est la destruction des stocks. C'est bien beau d'interdire les mines antipersonnelles et les sous-munitions, mais c'est encore mieux d'exploiter les stocks qui sont encore dans les arsenaux militaires de certaines puissances pour faire en sorte que plus jamais, en aucun cas, les mines ou les bombes à sous-munitions puissent être utilisées. L'éducation au risque des mines. Avant que le démineur intervienne sur un terrain, ou même en parallèle en fait, on va aussi faire beaucoup d'actions pour éduquer les populations concernées au comportement à avoir en cas de contact avec une mine antipersonnelle ou une sous-munition. Bien évidemment, on ne peut pas s'en approcher, mais surtout aussi indiquer les emplacements. Vous voyez derrière nous les panneaux d'antennes, ce sont des vrais panneaux qui sont utilisés sur le terrain et qui permettent aux populations de savoir qu'à cet endroit-là, il y a un danger, il ne faut pas s'approcher. Et puis si vous avez suivi, il manque le cinquième point. Le cinquième point, c'est le déminage. Et c'est tout de suite ce dont on va parler avec Philippe. Trois formes de déminage, et je tourne la main. Le déminage manuel, occupé par des êtres humains, donc les démineurs comme Philippe, qui vont avancer pas à pas, et qui va vous montrer en quoi son travail consiste.
Le déminage mécanique à l'aide d'engins motorisés et blindés qui passent sur des grandes zones et qui vont faire exploser les mines ou les sous-munitions qui sont présentes. Et puis enfin, le déminage par moyens spéciaux. Et souvent, ces moyens spéciaux, ça va être des animaux, comme des chiens ou des rats. Chiens ou des rats, bien évidemment, vous pouvez dire qu'on n'envoie pas les chiens et les rats qui produisent sur les mines antipersonnelles. On profite de leur odorat, 10 000 fois plus développé que le nôtre. Et en fait, ils sont éduqués à reconnaître les odeurs d'explosifs. Et donc, le chien va faire un arrêt sur l'endroit où se trouve la mine. Et après, l'être humain peut venir et intervenir pour identifier la mine. Le meilleur des déminages, en fait, c'est celui qui combine les trois. Le déminage mécanique, pour faire un nettoyage de base. Après, le déminage avec les chiens pour retrouver les éléments les plus simulés. Et de toute façon, le déminage manuel, car à un moment, il faut toujours l'intervention de l'être humain. C'est ce qu'on va tout de suite voir avec Philippe. Vous remarquez que Philippe a une tenue de démineur traditionnelle, donc un casque qui lui permet de protéger sa tête avec une visière aussi renforcée que son visage. Et puis sur le torse, un costume, le plus souvent en Kevlar, donc qui est d'une part très lourd mais aussi très résistant. Vous remarquez, de temps en temps, ils ont aussi un pantalon, c'est pas nécessaire. Et vous remarquez surtout qu'il n'est pas entièrement recouvert de costume. Parce que le démineur doit toujours garder la liberté de ses mouvements. Et surtout, le costume est fait pour protéger les éléments les plus vitaux, les organes vitaux. Ça va être la gorge, la carotide, le torse, au niveau du cœur, et les organes génitaux, qui sont les endroits les plus dangereux si une explosion arrive. Le démineur ensuite fonctionne sur un couloir, ce qu'on appelle un couloir d'un mètre de large, et avance 40 cm par 40 cm. Petit à petit. Il faut savoir qu'un démineur va pouvoir dépolluer pendant une journée 50 à 200 mètres carrés. C'est pas beaucoup, mais c'est nécessaire parce que le temps, il y a énormément de vigilance à apporter à ce travail. Sachant que la première des actions du démineur va être un examen visuel. Examen visuel méticuleux sur la quarantaine de centimètres qui lui font face. Pour regarder si à l'œil nu, il repère déjà des éléments, il repère soit un engin explosif, soit un fil de déclenchement. Pour s'assurer en effet qu'il n'y a pas de fil de déclenchement, il va avoir un deuxième contrôle avec la sonde, très doucement. Vous pouvez imaginer ici que vous avez un peu de végétation, soit des herbes, soit des feuilles. Très doucement, il passe la sonde et vérifie qu'il n'y a aucun fil de déclenchement. Dans notre exercice, il semble être le cas, il va donc procéder au dégagement de la végétation pour pouvoir accéder au plus proche du terrain. Et une fois que le terrain est libéré de la végétation, il va passer le détecteur de métaux en serpent, c'est-à-dire en faisant des zigzags, pour repasser plusieurs fois au même endroit et s'assurer que dans cette zone, sur 1 mètre de large et 40 cm de long, il n'y a aucun élément qui fait réagir le détecteur. Ce qui semble être le cas pour l'instant. Une fois ceci effectué, il va procéder à l'avancée de son repère de 40 cm et il continue. Examen visuel méticuleux. Et après l'examen visuel, vérification de présence d'un fil déclencheur. Là encore, aucun fil ne semble être présent. Le dégagement de la végétation. Et une fois encore, passe son détecteur de métaux, en zigzag. Et le détecteur semble cette fois réagir. Il faut savoir que la majorité des détections, sont dus à des débris métalliques, parce que lorsqu'il y a eu un conflit ou une explosion, il y a forcément énormément de débris métalliques. Or, on ne peut pas se permettre de considérer que ça ne peut être qu'un débris métallique. Car en fait, ça reste aussi souvent une mine ou une sous-munition, et donc il faut vérifier tous les signaux. À chaque fois qu'un signal retentit, il faut à chaque fois vérifier. Pour vérifier, le démineur va utiliser sa sonde en inclinant ça
à 35 degrés. Merci, je vous confirme. Pourquoi à 35 degrés? Parce qu'il faut en aucun cas arriver sur la mine par le dessus, sinon elle va exploser. Donc il identifie avec sa sonde pour se rendre compte dans le terrain où est placée la mine antipersonnelle. Une fois qu'il a délimité les contours de la mine, il utilise une flèche pour enlever la terre ou les végétaux qui restent là-dessus. Et puis il va encore plus en détail avec un pinceau, très doucement, pour enlever les restes de terre et pouvoir enfin découvrir l'engin dont il s'agit et savoir en fait à quoi il a affaire déjà, quel est le type d'engin, quelle est son instabilité, et puis surtout pour l'identifier. Et une fois que ce travail est fait, il marque un code, il pose un code pour identifier qu'à cette endroit-ci, une mine antipersonnelle ou une soumission a été trouvée. Et la plupart du temps, tous ces engins sont détruits en fin de journée. Donc le mineur va continuer son travail sur un autre couloir. Et à la fin de la journée, tous ces éléments seront détruits. Et d'ailleurs, on va aussi vous montrer maintenant. Le démineur prend la charge dans une main et le détonateur dans l'autre. Sachant qu'ici, pour cet exemple, le fil est déjà relié au détonateur, mais dans la vie, le fil est relié au détonateur à la dernière minute et au dernier moment. Il va placer l'exploseur dans la charge et va aller positionner la charge au plus près de l'engin. Il prend son fil, par exemple, de quelques mètres, dans la réalité de plusieurs dizaines de mètres, pour aller se protéger. Et avant toute chose, il faut savoir que les mines antipersonnelles et les soumissions, pour beaucoup, sont présentes dans des zones peuplées. Donc, avant tout ça, il y a forcément une indication, une information à toutes les populations habitant aux alentours qu'il va se passer une explosion dans la langue locale du pays. Rappelez-vous qu'on est dans des pays souvent avec peu de langues que la nôtre, ça arrive. Et donc, aux populations, le démineur va commencer un décompte. 3, 2, 1. Et là, il a fait sa job. Voilà pour cette démonstration de déminage. Merci à Philippe pour vous avoir montré de quoi il s'agissait. L'atelier continue. Vous pouvez bien évidemment poser des questions à Philippe, mais vous avez aussi la ressource de Frédéric qui peut vous accompagner individuellement.